Bonjour à tous. Donc l'objectif de cette vidéo est de montrer comment dessiner cet angle en utilisant donc ce côté ici. Donc comment reproduire un angle donné à partir d'un côté donné. Alors pour cela, je vais utiliser le compas. Voilà, je prends le compas. Donc j'utilise un logiciel qui est OpenBoard, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger si vous le voulez. Donc je vais commencer par dessiner un cercle. Voilà. Ça marche pas très bien. Voilà, un cercle. Je peux dessiner le cercle complet, même si c'est pas vraiment utile. Et donc je vais dessiner ce même cercle, mais cette fois-ci. À partir du sommet ici, donc je considère que mon sommet se situera à cette extrémité de mon côté, et alors je vais dessiner donc le cercle correspondant ici, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre mon compas et mesurer la longueur de l'arc de cercle. Donc je vais tourner mon compas comme ceci. Je vais mesurer la longueur de la corde, en fait, pour être plus précis. Et puis, je vais reprendre mon compas. Je vais le déplacer à partir de là et dessiner un cercle de même rayon. Voilà. Et donc, la solution de mon problème est relativement simple. J'ai deux possibilités pour mon angle. Soit donc je le reproduis évidemment toujours à partir du sommet ici. Alors je vais fermer ce truc là parce que ça me dérange. Et alors il faut que je tourne la règle pour dessiner le deuxième côté de l'angle. Une première possibilité, c'est donc de ce côté. Et une première possibilité, donc c'est ce côté. Et une deuxième possibilité, ce sera, bon, je déplace un petit peu ici, j'ai perdu le, oups, pardon, voilà, je sélectionne bien ça, j'ai perdu le bout de ma règle, voilà, et donc la deuxième possibilité, je vais tourner ma règle cette fois pour qu'elle aille sur le deuxième point possible, voilà, qui est ici, et donc je vais dessiner d'une autre couleur cette deuxième possibilité. Je peux effacer ma règle, supprimer ma règle. Je vais également donc effacer ce trait qui ne sert à rien. Et donc vous voyez, donc on va vérifier quand même avec le rapporteur que j'ai bien deux angles qui correspondent à mon angle initial. Donc mon angle initial a une mesure de 35 degrés à peu près. Donc si je viens ici et que je mesure ce premier angle, il a bien une mesure de 35 degrés. Et donc si je me déplace maintenant, que je mesure à partir de là, j'ai bien également 35 degrés entre là et là. Donc voilà comment reporter un angle en utilisant simplement un compas. Je vous remercie de votre attention.